Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans À propos de. Aujourd'hui, nous allons vous parler de trois sœurs, trois filles d'aujourd'hui qui relèvent tous les défis. Nous voulons parler bien sûr des 4 size. Ou 4 size. En juin dernier, les sœurs Chamad, également surnommées les 4 size, ont soufflé leurs 40 bougies. Aujourd'hui, petit retour sur la carrière de ces voleuses d'élite. Filles d'aujourd'hui, sœurs et solidaires, sur terre ou en l'air et relevant tous les défis, vous l'aurez tous reconnu, peut-être même chantonné, on ne sait jamais, le générique du fameux Kiatsu Ai, autrement dit signé 4 size. 4 size est une série animée culte rendue populaire par la célèbre émission Club Dorothée diffusée sur TF1 entre 1987 et 1997. Signé 4 size est un dessin animé de 73 épisodes, animé par la talentueuse équipe de Tokyo Movie Shinsha, ayant déjà œuvré sur les animés Sherlock Holmes, Cobra ou encore Détective Conan. Mais avant l'animé qui rendit légendaire les trois jeunes femmes, il y avait un manga, et la naissance de 4 size se situe en 1981 dans les pages du magazine Shonen Jump. Présenté à l'origine comme un one-shot sous le nom de Sexy Dynamite Girls, est-ce qu'on peut encore faire plus subtil pour mettre en avant le côté charme des personnages ? Je crois pas. L'histoire est un véritable succès, et à la demande des lecteurs et sans avertir le premier concerné, c'est-à-dire l'auteur, l'éditeur de la revue annonce l'arrivée prochaine de la série 4 size, qui se présente comme une suite et une continuité du fameux one-shot au titre raffiné. La nouvelle série commencera dans le numéro suivant du magazine, à savoir le 40e. Attendez, 40e numéro du magazine, les 40 ans de 4 size, sacrée coïncidence. Le 16 juin 81, donc, Tsukasa Ojo, le père du futur détective fripon et nippon Nicky Larson, qui a été magnifiquement adapté par Philippe Lachaud en 2018 dans le film Nicky Larson et le parfum de Cupidon, présente au lecteur japonais les sœurs Chamad, donc Cilia, Alexia et Tamara dans ce qui est officiellement 4 size. Et première chose sur laquelle vous aurez sûrement tiqué si vous êtes familier du manga, les noms de Cilia, Alexia et Tamara. Il s'agit en effet de leur nom français, parce que dans la langue de Takeshi Kitano, les trois sœurs se nomment Rui, Ai et Itomi. Anecdotique, vous pensez? Ouais, complètement. Les jeunes femmes se font appeler les 4 size, donc, cambrioleuses de génie, tentant de réunir la collection d'œuvres d'art de leur père disparu il y a déjà plusieurs années. Et sur leur route se trouverait l'inspecteur Quentin Chapuis, obsédé par l'idée d'attraper 4 size, mais également fiancé de Tamara, qui tombera également amoureux de l'alter ego félin de Tamara sans en connaître la véritable identité. Donc il est un peu crétin, mais c'est un vrai don Juan, ce Quentin quand même. La particularité de ce groupe de voleuses est leur signature, une carte signée 4 size accompagnée de la date, de l'heure et de l'endroit de leur prochain méfait. Malgré cette audace et l'incompétence de l'inspecteur Chapuis, plusieurs personnages tenteront de mettre des bâtons dans les roues des trois belles sœurs, notamment Odile Azaya, collègue de Quentin et nettement moins stupide que ce dernier, qui se rendra très vite compte que les trois sœurs sont en fait les 4 size, et en même temps il faut pas une casquette de détective pour s'en rendre compte. De plus, le manga possède un trait fin et parfaitement lisible cher au cœur des amoureux du manga dit traditionnel. Bonjour Banana Fish, Captain Albator et City Hunter. Après vous avoir présenté l'histoire de sa publication et son synopsis, je peux enfin vous l'avouer, 4 size est un shonen. Et après cette révélation qui se place quelque part entre le twist de Split et Tenet, non c'est pas vrai, vous serez en droit de nous demander, mais enfin cher libraire, c'est quoi le shonen? Eh bien le shonen est un type de manga principalement destiné à un public masculin, dont la tranche d'âge se situe quelque part entre 8 et 18 ans, en opposition au shoujo qui se destine à un public majoritairement féminin. Mais le shonen possède également une autre particularité, sinon vous en doutez, c'est pas drôle. Les titres étant classés comme shonen, se doivent d'être pré-publiés dans des revues spécialisées de ce genre, telles que Shonen Jump, tiens, comme un certain 4 size. Coïncidence? Non, pas du tout, encore une fois. En France, le shonen est le genre le plus représenté, mais aussi le plus vendu. Notamment que des séries comme One Piece et Naruto, et plus récemment, les excellentes séries Spy X Family et Kaiju numéro 8. Enfin, dernière particularité, et promis après celle-ci j'arrête, le shonen répond au schéma du neketsu ou voyage du héros théorisé par Joseph Campbell dans le monomythe. Le neketsu suit la logique suivante. Un héros à la recherche du père, le héros a un objectif qui de prime abord est insurmontable, c'est un personnage droit et honnête dans sa démarche, il possède certaines capacités spéciales, il est amené à lutter contre une force autoritaire cherchant à l'empêcher d'accomplir sa quête, certains adversaires deviendront des compagnons, un challenge intervient pendant sa quête, et proche de l'échec, le héros trouve une force intérieure pour s'en sortir. Et pas comme par hasard, 4 size et plus particulièrement le personnage de Tamara coche toutes les cases. A savoir, elle et ses sœurs est à la recherche de son père, son objectif presque impossible est de rassembler toutes les œuvres de son père disparu, elle est uniquement à la recherche de son père et ne cherche pas à s'enrichir par le vol et ne cherche pas le conflit, Gymnastor père Tam est un véritable félin, et durant sa quête, elle sera confrontée à plusieurs ennemis, dont la police et l'inspecteur Chapuis, qui deviendra malgré lui un compagnon du groupe de voleuses. Le challenge auquel elle devra faire face est la recherche de la vérité, mais aussi de l'amour de son compagnon. Et enfin, proche de l'échec, car sans trop vous spoiler, un événement dramatique pointe son nez dans la vie de Tamara, et elle doit puiser dans la dernière force qui lui reste pour garder la confiance de son compagnon. 4 size est donc un shonen pur et dur, répondant parfaitement à la logique du monomythe, qui est depuis longtemps utilisé dans bon nombre d'œuvres de fiction, comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Bob l'Éponge ou encore Matrix. Et attention, un intrus s'est glissé dans la liste. Votre connaissance en manga étant un peu plus étoffée, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de lire de la bande dessinée et du shonen, bien sûr. À bientôt !